Salut à tous et à toutes, c'est Baldéphane, je vous retrouve pour un peu plus tard sur les Sims 3, saison 4, on retrouve Rex, Mega Maker, Amante, Kunaito, Baloo et Buddy. Et dans cet épisode de Rex va aller au boulot, etc. J'aimerais vous remercier d'abord pour les plus de 1000 vues sur tous les épisodes de la saison 4, ça me fait genre super méga plaisir qu'elle vous plaise à ce point-là cette saison, parce que j'ai plus de 1000 vues sur tous mes épisodes, c'est genre vraiment super rare que j'arrive à faire ça avec une série, donc vraiment merci super méga fort à tous, ça me fait super méga trop plaisir, et donc voilà, et vu qu'on arrive à avoir plus de 1000 vues sur chaque épisode, je me demandais si on arriverait à atteindre les 400 gemmes sur cet épisode. Si on arrive à atteindre les 400 gemmes, les 300 ou 400 gemmes, parce que 400 ça me semble beaucoup, donc 300 gemmes, si on arrive à atteindre les 300 ou 400 gemmes sur cet épisode, vendredi je vous ferai une journée spéciale Sims avec 4 épisodes. Ça c'est 5. 4 épisodes des Sims. En fait, j'ai envie de voir si tous ceux qui regardent mettaient un pouce vert, enfin un pouce bleu en l'occurrence maintenant, ce que ça donnerait. T'entends le coup. Bon, enfin bref, Rex va se réveiller parce qu'il a boulot dans 2 heures et... Oh, ça va, il se sent bien. Il a eu un bon repas. Ah d'accord, bon, peu importe. Ah oui, alors ne vous inquiétez pas pour ceux qui ont vu, enfin qui m'ont mis en commentaire, parce que je lis les commentaires, qui ont dit qu'ils n'avaient pas encore vu leurs Sims dans la série. C'est normal, hein, les Sims ils sont pas toujours tous de sortie, ils sont pas toujours tous là, donc c'est normal que des fois vous apparaissiez pas, etc. Ne vous inquiétez pas. Petit, il a super faim, il a trop besoin de destruction, hein, pourquoi il fait rien? Bon, là, il avait passé, je mets. Ah, au secours. Oups. Je vais mettre un là comme ça et un là comme ça. Non, en fait, c'était bon le sens. Ah, ok, faut que j'aille direct au boulot. Bon, je me sens bien alors. Pouvoir travailler dur. Travailler dur. Oh mince, je me suis réveillé, j'avais même pas vu. Bon, moi, aujourd'hui, j'ai décidé de m'entraîner et je vais aller voir ma pote Coquille. Parce que j'aimerais... Oh, Urk. Parce que j'aimerais apprendre mes trucs pour la compétence musique. J'ai envie de voir une symphonie. Non, en fait, c'est pas vrai, j'ai envie de voir une symphonie. Oh, j'ai un appel. Oh. Allô? C'est qui? Quoi? Quoi? Ok. Ça m'a même pas affiché le message, pourquoi pas, bon... J'arrive pas à prendre un bain au secours. Qu'on va le refaire. Ok, merde, maintenant je vais ressortir du bain. Fuck. Bon. Ah oui, il faut que je prenne ma guitare pour le coup. Puis j'irai manger, qu'est-ce qu'il reste des pancakes. Voilà, bon. Je vais pouvoir me laver. Je mets 51. Putain, faut vraiment qu'on s'achète une douche, quoi, c'est chiant. J'ai envie de remplir la gamelle. Oh. J'arrive pas à cliquer dessus, au secours. Oui, 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 oui. Oh. Paddy. Qu'est-ce que je vais faire? Tu veux frotter ton nez sur moi? Ouais, pourquoi pas. Je sais pas. J'ai une vie sociale, alors je le fais. Par contre, je vais ranger les assiettes avant de partir. Il vient à quelle heure? 15h. Bon, ça va. Hop. Pourquoi j'ai pas tout pris d'un coup, sérieux? Bon, et puis je vais aller chez Coquille. Pour m'entraîner à la guitare. Les avions doivent voler, du moins si l'armée veut être performante. Les bonnes compétences en mécanique nécessitent d'avoir de bons fondamentaux. Il est donc nécessaire que vous lisiez technique avancée de l'utilisation de l'huile de coude. L'huile améliorera votre relation avec votre patient et votre performance au travail. Ouais, d'accord. À chaque fois, je sonne pas à cette maison. Elle est tout le temps devant sa piscine, Coquille. Ok, bon. Je suis pas là pour juger Coquille, moi, après tout, mais bon. Coquille Saint-Jacques! Salut! Ça va? Ça fait longtemps? Pas vraiment. Putain, pourquoi? Il va falloir vraiment que je modifie ta maison, Coquille, parce que c'est juste pas possible. Il te manque des murs. Et en plus, à chaque fois, je vais dans ton garage. Alors, est-ce que je peux démarrer une jam session? Faut que j'improvise pour m'entraîner.
aide-moi à improviser parce que moi j'ai pas de talent. Mais tu vas où? Comment veux-tu que ça m'aide? Bon, aujourd'hui on va pas chez Mousse apparemment. Oui, ben moi je m'ennuie. Bon, attends, je vais trop nifler, tu vas moins t'ennuyer. Il a envie de gambader. Moi j'ai envie de dormir dans le couchage. On est drôle de délire. Ah merde. J'avais pas vu que comme j'étais super méga stressé. Ça veut dire quoi ça? On va peut-être avoir une promotion. Yeah, une promotion. Je suis soldat. Ouh, je suis soldouille. Hey, je suis soldat. Mickey, romantic night. Ça veut peut-être dire qu'on va pouvoir s'acheter une douche. Enfin, putain. Attends, j'espère que oui, parce que j'en ai marre de ce truc. Allez, on peut même s'acheter ce truc bizarre. Il y a quoi de spécial? Rien de spécial. T'as à peu près ce que s'acheter une douche. Ouais, bon, ça, elle est bizarre. Mais j'aimerais bien acheter ça, mais ça coûte 1600, bordel. Pour vendre la télé, on la regarde jamais. Non, je rigole. Je sais pas comment on pourrait se faire des sous. Par contre, j'aimerais modifier ça, parce qu'en fait, ce que j'aime pas, c'est qu'à chaque fois, ça s'imbibe, là. Et c'est un peu à chier. Ouais, bah, on pourrait vendre ça aussi. Ok. On peut pas vendre parce qu'il y a du pipi dessus, c'est sérieux. Bon, je referai les chemins après, mais... Au moins, on se fait un peu d'argent. Je vais... éponger la flaque. Jeter ça. Et jeter ça aussi. C'était pas la journée des loisirs aujourd'hui. Non, c'était hier. Ah oui, c'est vrai. Bon, je vais essayer de gagner mon premier point, au moins. Yay! Bon, et puis je vais aller me faire prendre un cours de guitare. Alors je sais plus du tout, c'est ça doit être au théâtre. Prendre un cours de guitare. Ok, bon, bah, amuse-toi bien, moi j'ai du surmenage. Ce qui n'est pas super cool. Bon, je vais éponger ça. Voilà, parce que vu qu'ils vont toujours pipi là, dehors, bah, à chaque fois, il y a du pipi par terre, ce qui est un petit peu dégueulasse. Et à la place, je vais mettre... je pense que je vais mettre ça. Oh, peut-être pas celui-là, il est pas très joli. Non, celui-là, il est trop spécial. Avant, je mettais tout le temps ça, mais genre, vraiment tout le temps partout. Ça, c'est un peu laid. C'est pas pour ceux qui aiment bien. Je crois que je vais garder ça, j'aime bien. Puis après, je mettrai des petits... des mini-barrières, en fait, pour faire une délimitation, quand même. Mince. Oups. Bon. Bon, attendez, je vais... De toute façon, le terrain, il est moche. Ok, j'arrive pas à faire une ligne droite, au secours. Handicapé, des lignes droites, oh lol. Je fais de mon mieux hein, pour essayer de faire des trucs corrects, mais c'est pas super chaud. Voilà. T'as par contre... Attendez. Je sais que je viens de tout faire et que j'aurais dû enlever ça avant, mais... J'ai pas pensé que ce serait aussi moche, en fait, pour être honnête. C'est la mine, non, ça fera pas trop moche. Ouais, mon cul, c'est à chier. Excusez-moi. Ouh, j'ai fait de ligne droite. Bon, là, j'ai pas le choix, je vais faire ça. Bon, attendez, vas-y, fuck it, je vais refaire les trucs là. Non, mais c'est déjà plus joli, quand même, hein. Bon. Oups. Bon, attendez, je vais faire les délimitations, comme ça, au moins, je les aurai. Ça, c'est un peu gros comme délimitation, quand même.
Je vais prendre ça comme des mutations. En fait, je la voudrais grise, en fait, donc j'aurais peut-être pas dû déjà tout mettre, parce qu'au final, je vais la changer. Puisque gris, ce serait plus joli. Enfin, ça irait mieux avec le reste, en fait, gris. Là, faut que ça charge toutes les textures de bois. 50 ans plus tard, ça n'aura toujours pas changé toutes les textures de bois. Ok, c'est peut-être un peu trop foncé. Ok. Voilà, et puis... Si, il y a quelque chose à dupliquer là, tu le vois pas? Ah, ça me flaire. Voilà. Au moins... Je vais pouvoir bien refaire. Alors... Excusez-moi, hein, je mettrai sûrement un accéléré ou une coupure là, parce que histoire que vous ne tapiez pas tout le... Tout le terraformage de merde que je suis en train de faire. Et j'ai pas mis la texture grise partout, par contre, donc là c'est toujours laid, il faut que je modifie. Oups. Ok, bon, là ça va, c'est déjà un petit peu mieux. C'est quoi que j'avais pris? C'était ça. D'accord, j'étais un peu perdu sur ce que j'avais pris au départ. Je sais pas si je les enlèverai ou pas les bordures après, parce que si j'arrive à faire bien droit grâce aux bordures, je crois pas que j'aurai besoin de les garder. Moi, ce sera tout joli. Oups, fuck. Ok. C'est vraiment le truc super minutieux, vous savez. Nya. Ok, c'est déjà un peu plus joli. Je vais voir comment ça rend sans les trucs. Je sais pas si ça fait mieux avec ou sans. J'aime bien avec, moi. Je trouve que ça fait plus ordonné, en fait. Donc, je vais garder avec. Puis si ça vous plaît pas, c'est le même tarif. Ok. Sauf là. Ça, c'est à chier. Je fais un peu de déco extérieur parce qu'en fait, je me suis surtout occupé de l'intérieur. Je me suis pas du tout occupé de l'extérieur, en fait. Et ça me perturbe. Je trouve pas ça joli. Au pire, voilà. Je vais virer ça, parce qu'il faut que je mette de la terre. Terre, oui. Terre foncée. Voilà, j'ai mis de la terre. Ah, mais là, on n'aurait qu'à planter des légumes. Ça ferait toujours un petit truc, voilà, cool. Puis je pourrais faire pareil là, je vais faire ça. Donc, faut que j'attende que Raxi bouge. On va pouvoir voir comment ça fait sur les lignes, en plus. Ouais, non, ça va, ça fait joli, j'aime bien. Par contre, ouais. Jette l'autre aussi. Ok, parce que j'ai pas fini la décoration extérieure. Parce que je me dis que là, je pourrais faire pareil un autre petit potager, en fait. J'ai peur que ça fasse trop, en fait, maintenant. Là, ce sera plutôt des fleurs. Des buissons. Il y a des fleurs buissons? Ouais. Ouh. D'accord, c'est un peu gros. J'ai pas encore mis la terre en plus, parce que je suis débile comme ça. au secours, au secours, au secours. J'arrive pas à prendre la terre. Ok. Shrek. Shrek, Shrek. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé au bout? Ok. C'est joli. Enfin, c'est de la terre, quoi. Je vais mettre des fleurs. Je vais mettre des fleurs comme ça. Comment est-ce que ça rend? C'est pas moche, hein, mais c'est pas joli non plus. Je sais pas comment expliquer, en fait. Par contre, je vais enlever toute la sale texture du terrain, là. Je sais pas pourquoi j'ai bien une sale texture toute pourrave. Bire. Je veux de la belle herbe. Voilà. Ok. Non, ça va, c'est joli. J'aime bien les petites fleurs comme ça. Et là, j'avais pensé mettre un arbre. Pour être tout à fait honnête. Pas un moche, par contre, un joli. Pas un roseau. What the fuck? C'est quoi ce truc? Un arbre à point de fantaisie? Ça existe en vrai, ces trucs? Je me questionne. Mais ils sont où mes arbres préférés? Ah, voilà. Je veux un arbre simple. Oh, vous savez quoi? Je pourrais même faire un emplacement pour l'arbre. Oh non, je peux pas. J'ai rien dit. Je peux faire genre, voilà, c'est l'arbre dans le losange. Ok, excusez-moi. Ça fait joli, en fait, je suis en train de me dire.
Non, non, c'est moche. Non, c'est joli. Je sais pas. Je ne sais point. Mais en tout cas, ce que je vais faire, en tout cas, et ce qui est sûr, c'est que je vais mettre un petit point. Voilà. Parce que cet arbre avait besoin de terre. Et donc, il en a. Je vais mettre des fleurs autour, d'ailleurs. Enfin, pas des fleurs du sol, mais des fleurs comme ça. Je peux ? Oh, je peux ? Non, mais je vais en mettre des comme ça. Ouh, c'est joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Pour faire ça, je pourrais en mettre 4. Hein. Ça fait peut-être un peu trop. Mmh. Ouais, non, je vais laisser comme ça. Bon. Ça va, c'est joli. Pour le moment, ça suffira. Je pense. Plantation. Je peux les planter. Il me faut plus de compétences. Oups. Il a envie d'aller en boîte de nuit. Ok. Bon, bah, je suppose qu'on ira en boîte de nuit, alors. On va planter que de la laitue, hein, pour le moment. Je sais pas, il y a combien d'emplacements. Je crois qu'il y en a 5. Peut-être 6. Je vais en prendre 6, parce que je suis pas sûr. Planter de nombreux végétaux. 1, 2, 3, 4. Ok, c'était 5, c'est ce que je me disais. Mickey, elle a... Ah oui, c'est vrai qu'elle est en cours, elle. J'avais oublié. Pourquoi elle n'a pas planté le premier? Pourquoi mon sim c'est en grosse galère pour en planter 1 sur 2? D'accord, ok, merci Rex, ça servait vraiment à que dalle. Non, mais ne mange pas. Om nom 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 nom. Ok, il vient de manger une des laitues. C'est pas vraiment ce que je vais faire. Moi, ça veut pas parce que c'est contre un mur, apparemment. Donc, c'est totalement con, hein, on est bien d'accord. Donc, je vais utiliser cette technique de triche, les plus horribles. De faire que ça va être là. Puis, je vais en planter là dans le chemin. Puis après, je le déplacerai. Donc, je vais le planter là. Non, mais... Abandonne ça. Planter là, là et là. Et puis après, je les placerai au bon endroit. En espérant qu'il pourra les fertiliser, etc. Parce que, voilà, faut pas se foutre de la gueule du monde. Moi, j'avais décidé de faire un potager, et puis Rex, il a pas voulu. Alors, moi, j'ai... je vais tout mettre là. Ok. Ok. Bon, bueno, bueno. Mickey. Rex a envie d'aller en boîte de nuit. Elle se sent bien. Comment se sent Rex? Il se sent... Il est un peu fatigué, mais il se sent bien. On va voir. Je crois que j'ai installé une boîte de nuit quelque part, mais alors où, je sais pas. Ça, c'est le repère de Wellon. Qui n'est pas une boîte de nuit. Ah, là, il y a une boîte de nuit. Faut que Mickey, elle rentre. Attendez, je vais la faire rentrer vite fait. Oh, les lumières de la ville se sont allumées, c'est magistral. Ok. On va pouvoir y aller avec Rex. Oui, j'avais envie d'aller en boîte de nuit en plus. Oh, l'extérieur, il est joli. Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Non, mais faut suivre le chemin aussi, Mickey. Non. Tu vas en habit de travail? Ouais, j'ai la flemme de me changer. J'ai envie de prendre un jacuzzi et de jouer de la guitare. Ok. Oh putain, il y a plein de gens qui vont à la boîte de nuit. Mais aucun de ma famille. Pour une fois qu'il y a personne de ma famille sur un terrain, je veux pas me plaindre. Elle, on dirait Orchidée. Oh, c'est Orchidée. C'est là, oh, on dirait ma sœur, c'est ma sœur. J'arrive! Oh, pardon. Ouh, mais putain, maman. Calypso. Elle a piqué la coiffure de mousse. Pff, pff, pff. bon. C'est une bonne nuit, quand même. Danse super, ouais. Hey, ils sont tous les deux fêtards! Elle est fêtarde, et elle est fêtard aussi, je savais même pas. Genre comme il pose. Genre, attends, je suis pas sûr. Elle a des dents de vampire? On dirait qu'elle a des dents de vampire. C'est pas une vampire, hein, pourtant. Je savais pas qu'elle avait des dents de vampire. Je vais juste découvrir ça. Genre les gens qui viennent en boîte de nuit et qui font que parler, en fait. Melvin Tong. Ça, je sais pas si c'est un de mes abonnés, je crois pas. Genre comme il y a personne qui danse.
La musique elle a chier, je vais la passer. Bon, je vais mettre ça, j'aime bien. Fait que je m'excite, désolé. Genre comme il y a vraiment personne qui danse quoi. Danser, la musique c'est fait pour ça. Nous comme méga point, point, point. Peut-être danser sur le comptoir. Oh, elle peut payer une tournée. Elle va faire ça, elle va payer une tournée. Il va continuer. Il va danser de façon mignonne, d'accord. Eh, je voudrais qu'on prenne une tournée, s'il vous plaît, merci. Ok, fait une tournée. Oui. Ouais. Il y a des boissons festives. Ah bah moi aussi j'en bois une alors, coucou. Oh putain, il y a du feu. J'ai mis des merdes, il y a le feu. Et comme par ça, quand je m'en vais, tout le monde va se mettre à danser. Bocal, elle est trop belle style pour aller en boîte de nuit, je trouve. Ah, c'est pas la même boisson. Je sais pas, vu, je pensais que c'était la même. Déchaîné. Ouais, bon, ça va, j'ai bu un peu. Hein. J'ai pas bu 50 000. Peut-être que je vais aller danser avec elle. Bon, bah, moi je vais danser avec lui alors. Ok, je me barre, je sais pas où, je sais pourquoi. Pourquoi on va dans la poussière? Putain, la musique elle a chier. Oh! Bon, je vais essayer ça. On s'en pourrit en fait. Ah, moi j'ai envie d'aller aux toilettes, j'ai pas vu. Les toilettes. J'ai vu qu'il y en avait qui ramenaient des trucs à manger, mais. Oh! Je vais commander des ailerons de poulet épicé. Je vais faire pareil, sauf que moi je vais aller aux toilettes pour mec, quoi. Et puis je vais commander une seule part de beignets d'oignons. Oh, vite, faut que j'aille aux toilettes! Pipi! Oh, j'ai pété les chiottes, merde. Bon, tant pis, c'est pas grave. Moi j'ai super fatigué, alors j'entrerai après, puis je prendrai un bain et puis je vais me coucher. De toute façon ça va, on bosse pas aujourd'hui. Enfin je bosse pas parce que toi tu bosses pas. Oui bon ça va. C'est qui elle? Chloé Marine Pajot. Pajot, 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 Pajot. Oh, excusez-moi. Oh, j'aime bien comment elle est habillée. Vos Sims ils sont beaux en règle générale. Bon, sauf certains, il y a des Sims qui sont un peu spéciaux, mais. On devrait rentrer parce que je vais pas tarder à m'endormir par terre en fait. Donc on va rentrer. En plus, les animaux ils sont toujours à la maison tout seuls. Ouais, t'as raison, il vaudrait peut-être mieux qu'on rentre. Ils dorment tous les deux dans la même pièce, ok. Ici avec votre bande d'amis. Ils ont pissé dans la maison. Ah. Pourtant j'ai fait en sorte qu'ils puissent pisser dehors et maintenant ils pissent dans la maison. What the fuck. Nope. Ok, je vais dissoudre la bande, prendre un bain, puis aller dormir de façon extrême. Moi je vais plonger ça pour. Ah mais non, c'est sur mon buddy quand tu lui as donné. Ah non, tu lui as pas donné de bain, je suis con. Mais Cookie, t'es toujours pauvre Cookie. Je vais la... non pas impoliment. Je vais la saluer pour qu'elle arrête de. Faut qu'elle arrête de jouer de la guitare, la pauvre. Cookie, tu peux arrêter de jouer de la guitare si tu veux. Voilà, je vais me coucher maintenant, bye. Ah merde, j'aurais toujours pas rempli leur gamelle au chien, j'étais seulement zappé. Bah ça va pour toi, ils ont mangé. Ok, bon pourquoi pas. Bon, je vais rentrer. C'est bon, maintenant elle peut rentrer chez elle et puis faire ce truc. Bon. Voilà.
Moi, je vais prendre mon bain et puis me coucher. Oh, je suis super fatigué. Oh, paf. Putain, j'allais me coucher, quoi. Bon, hey, Cookie, elle fait ça toute sa vie. La meuf, elle va avoir la peau super fripée, après. Bon, voilà. N'hésitez pas à pouce bleuté, surtout si vous voulez le vendredi avec 4 vidéos des Sims. Et à partager RT, vous abonner RT. Et je vous retrouve dans mes prochaines vidéos. Bye bye!